Accenture est engagée depuis plus de 20 ans sur l'inclusion et la diversité. Initialement, on a commencé à travailler sur le sujet d'inclusion homme-femme et aujourd'hui, on a un engagement très très fort d'atteindre d'ici 2025 50% d'hommes, 50% de femmes. Sur les autres sujets d'inclusion et en particulier l'inclusion économique, il y a un investissement très très fort de toutes nos équipes et plus de 30% de nos collaborateurs sont engagés. Notre conviction, c'est que plus nos équipes sont diverses, plus nos équipes sont inclusives, plus nos équipes se sentent bien et plus elles sont créatives et plus elles génèrent d'innovation et de performance. Pour accélérer le mouvement, c'est super important que le management soit impliqué et ça à tout niveau de l'entreprise, depuis le comité de direction jusque dans les équipes opérationnelles. Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc on a besoin d'associations comme Mosaic RH pour nous aider à recruter, pour nous aider à bouger les lignes, pour nous aider à accélérer la prise de conscience et puis pour nous accompagner aussi dans la vie quotidienne de l'entreprise. Êtes-vous optimiste pour l'avenir sur ces sujets-là? Ouverture sociale, diversité, égalité de traitement, inclusion? Alors moi, je suis toujours une grande optimiste et si on prend l'exemple de l'égalité de genre, on voit qu'on a mesuré et on a progressé. Alors bien sûr, il y a encore du chemin à faire, mais le progrès, il est là. Sur le sujet de l'inclusion économique, c'est la même chose. On n'a pas complètement les moyens de mesurer, mais aujourd'hui, on voit quand même des progrès qui sont très significatifs dans l'entreprise et à l'extérieur. Un des motos qu'on peut se donner, c'est « les petits ruisseaux font les grandes rivières », parce que je crois que chaque petit geste compte. Chaque heure qu'on va passer à mentorer un jeune en difficulté, chaque action qu'on va prendre pour accueillir dans l'entreprise quelqu'un qui n'avait pas fait d'études ou qui était en difficulté sociale, ça va permettre d'accélérer des mouvements, de créer des rôles modèles et de continuer à inclure plus largement tous ceux qui peuvent venir. Chez Accenture, la porte elle est ouverte pour tous ceux qui veulent nous rejoindre. Et quand on veut, on peut. Et donc, ce n'est pas une question d'études, ce n'est pas une question de quartier, ce n'est pas une question de revenus de ses parents. On a, chez Accenture, des offres et des propositions de travail pour tous ceux qui peuvent nous rejoindre. En 10 ans, Accenture a accompagné 200 000 jeunes en France vers l'emploi entre 2010 et 2020. En 2021, on a accompagné plus de 50 000 jeunes. 2022, ce sera encore plus important et 2023, on va battre tous les records. Sommet de l'inclusion économique. Agir avec impact.